Encore une fois, je remercie infiniment pour avoir visité ce sommet. Je comprends très bien l'énorme pression démontrée, la souveraineté en étant ici. Que c'est vous qui sont les maîtres dans votre pays. Le peuple guinéen. Ça vaut beaucoup, ça c'est le plus important de savoir. Le reste c'est l'Inch'Allah et nous créons la cause. Nous avons compris ce que faire et peut-être on va essayer de créer le roadmap, la carte routière pour essayer de comprendre et réaliser et penser avec l'invitation de votre côté. Et agir. Interagir et coopérer selon les étapes que va définir ce roadmap, la carte routière. L'éducation, la médecine, l'agriculture, l'industrie, le sport, ce sont les domaines et les métiers où nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération. Voilà pourquoi nous voyons un très grand potentiel de coopération mutuellement bénéfique en Guinée et sommes prêts à faire de meilleurs efforts pour développer nos relations. Et afin d'approfondir les relations entre nos deux pays, et la République tchétchène et la République guinéenne, je voudrais vous inviter à visiter notre République afin de discuter plus en détail les questions qu'on vient de mentionner avec monsieur l'ambassadeur aussi, on devra être invité. Nous sommes non seulement intéressés à approfondir, à diversifier, mais à connaître mieux la République de Tchétchénie et nous invitons aussi les autorités tchétchènes à découvrir la République de Guinée. Et deuxième chose, nous avons focalisé la réflexion sur trois domaines importants qui sont les domaines prioritaires de la Guinée. C'est l'éducation, la santé. Et des femmes meurent encore en Guinée à l'accouchement. Et on n'a pas d'hôpital de référence dans le domaine de la pédiatrie. Et les femmes et les enfants, on a l'un des taux de mortalité les plus élevés en Afrique. Alors, la Tchétchénie est pour nous un modèle de résilience dans un vaste ensemble russe où la tolérance et l'acceptation culturelle est encore de mise. Donc, nous allons approfondir cette coopération dans les domaines cités et dans d'autres domaines encore.